Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette suite de la campagne de la ruine de Tandar. Alors, j'ai pris le chemin qui nous permet de suivre le zélote de Ruinos, qui a peut-être enlevé l'homme de l'auberge. Nous allons tenter de le rattraper, et c'est pas facile. C'est pas facile, je l'ai testé déjà, et franchement, c'est assez compliqué. Tout a été créé, on est bien, je constitue mon marché. Alors là, on se retrouve dans la rue, hein, comme vous pouvez le voir, avec cette formidable maquette, ce joli plateau. On s'est pas échappé, on est sorti de l'auberge, et on poursuit le zélote à travers les ruelles de la ville, dont on ne connaît pas le nom d'ailleurs. Bah si, Tandar peut-être. Bon, bah, on y va. Hein? Qu'est-ce qui manquerait à la mise en place là? Non, on est bon, nos compteurs de points de vie, nos cartes. Bah, c'est le guerrier qui va commencer. Alors, je pose ça, bien sûr que je pose ça, puisque le guerrier ne va pas commencer tout de suite. Ah, d'accord. Ben voilà. Voilà la carte qu'il ne va pas falloir repiocher trop rapidement une fois que son deck aux zélotes aura été mélangé. La fameuse carte échappée. Donc si le deck du maître a été déjà remélangé lors de cet affrontement, le maître s'échappe et vous perdez l'affrontement. Donc pour l'instant, on ne s'occupe que du point blanc. C'est-à-dire qu'avec son niveau 1, il nous fait quoi? Ses capacités jaunes, la préférée. Les fanatiques gagnent plus de ce tour-ci. Ah oui! Alors attention, les fanatiques, hein, sur les cartes de son deck aux zélotes, il y a le mot-clé fanatique. J'avais fait ça comme ça pour essayer d'y penser. Plus 2. Ben là, pour le coup, ça va servir à rien puisqu'il n'a pas de fanatique en jeu. Donc c'est un tour blanc pour lui. Ah, c'est le cas de le dire. Son point blanc égale blanc. Eh ben on y va. On donne tout. Un petit coup de hache, mais avant les combats, j'aime bien d'abord dépenser l'or. Et là, j'ai 3 à disposition. Alors, dans notre marché, ici, j'ai un 3. La malédiction elfique qui tabasse. Allez, j'investis là-dedans. Ça, c'est fait. Après, on va commencer à le tabasser sec. Ah, j'ai un combo de cartes, là. Pour chaque serviteur dans votre zone, je n'en ai pas. Alors pareil, un serviteur, c'est un mot-clé qui apparaît sur les cartes du deck du maître. Donc là, j'en ai pas, ça fera 3, 4, 5. Et puis, pour comboter tout ça, je vais claquer aussi tout de suite le coup écrasant. Ça, l'élixir, je sais que je ne vais pas en avoir besoin. Donc 8, 9, 10... Ça fait 13, ça me permet d'atteindre une valeur de 7, donc je peux piocher une carte. Votre bouclier, monseigneur. Donc je mets en jeu mon garde. Et puis on a dit que j'étais à 13 d'attaque. Ce qui est plutôt bon. 13 d'attaque, ben, j'ai même pas à répartir quoi que ce soit. Donc 50, il est à 65, il tombe à 55, il tombe à 52. Ça, c'est un bon gros méchant coup qui lui est donné. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est constitué. Maintenant, on va passer du côté de l'archère. Et je me suis aperçu d'ailleurs, en parlant de l'archère, que j'utilisais très peu sa compétence pistée. Pour seulement 2 pièces d'or, ben un peu comme le coup d'épaule là. Il va peut-être falloir que je booste ça. Donc, du côté de l'archère, qu'est-ce qui se passe à courir après le zélote? Point rouge, vous avez moins 1 pièce d'or ce tour-ci. Donc je me mets sur mon paquet, là, sur ma main, 1 pièce d'or pour y penser. Il rentre en jeu dans sa zone, donc là il est obligé de se focus sur le diablotin agrippeur. Alors là on voit le mot-clé serviteur. Ensuite il l'active. Défaussez-vous d'une carte de coup 1 ou plus. Bah, ça on s'en fout, je sais que j'en ai pas. Je n'ai encore rien acheté. Par contre, avec sa capacité, il me supprime une or.
Donc à l'archère, il va lui rester 2. Il va lui rester 2. Alors 2, je renouvelle, c'est 6. Tiens, j'ai ça là, le chaman des loups. Elle investit dans le chaman des loups pour 2 pièces. Qu'est-ce qui lui reste? Ah ouais, petit dégât. Hein. Là, c'est pas cool. Je vais faire 2 en dégâts. Lui, il a 3 en défense, le diablotin. Sauf si je joue une carte Nécros. Mais bon, j'en ai pas acheté, donc ça sert à rien. Donc je sais que mon arc ne va pas servir pour faire des dégâts. Et mon élixir d'endurance, je le claque tout de suite. Ça fera tourner. Enfin, ça diminuera mon deck. Donc je me soigne de 5. Je passe à 63. C'est toujours ça de pris. La carte est virée. Celle-ci. Ah bah oui, bah je fais une bêtise là. Je détruis le coup fatal. Je pioche une carte. Ça me fait un d'or qui ne va pas me servir. Et vous pouvez assommer le champion ciblé, bien évidemment. Allez, toi, tu vires. Et pourquoi j'ai fait ça? Alors, la pièce d'or, je suis sûr qu'elle ne va pas me servir, sauf si au marché je renouvelle à 1, non. 3, 4, 5, j'ai bien mes 5 cartes, donc la pièce d'or ne me sert pas. Par contre, maintenant, vu que je ne suis plus monopolisé dans ma zone, je peux lui coller 2 dégâts. Il tombe à 50. Et on refait la main de l'archère. Eh bien, c'est plutôt pas mal pour les deux premiers tours. On en revient au guerrier. Alors, bleu, assommer le champion ayant la défausse la plus élevée parmi tous les joueurs. Donc, ce serait bien à vérifier dans les deux zones. Hein. Là, le porteur de bouclier tout seul, il dégage. Le disciple rentre en jeu. Il a 3. Une fois qu'il est activé, ça lui fait 3 de combat. Ce qui lui permet de commencer à me descendre à 57. Rien de bien trop méchant. Ensuite, 1, 2, 3. J'ai 4 or à dispo. 4 or à dispo. Je vais payer 2 pour me rajouter 2. 3, 4, 5. Ça, c'est consommé. Et il me reste 2. Eh bien, direct, une gemme de feu qui sont quand même assez pratiques. Maintenant, je dépense 3 pour virer le disciple de Ruinos. Et il me reste 2. J'en profite pour mettre un taquet aux zélotes. 48. 48 au compte. Ça c'est ma pre... Alors je redresse ma première carte, je me remélange ça. En fait, c'est vraiment la grosse course-poursuite avec la fameuse carte échappée. C'est vraiment bien foutu ça. Reste à pouvoir la trouver. Pourquoi j'ai viré ça moi? Ben, je l'avais détruit cette carte. Ça vire là. Donc oui, ce format de scénario est assez sympathique. Parce que le temps presse. 1, 2, 3, 4, on complète, on passe à l'archère. Tiens, première maîtrise, jaune. Les fanatiques gagnent plus 2 ce tour-ci. Il n'y en a toujours pas en jeu. Ce qui fait que ben je joue. Pour l'instant, j'ai du pot, hein. Ça va pas forcément durer. Ah, le petit serpentin qui est là. Viens ici, toi. Est-ce que je le joue maintenant? Bah oui, j'ai intérêt de toute façon. Faut pas que je me pose la question. Ça, alors, assommer un serviteur ciblé dans votre zone ou piocher une carte. Je l'active, je pioche ma dernière carte. Ça, ce sera l'attaque. 1, 2, 3, 4. Elle aussi a 4 à dispo. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va pas faire ça. 4, c'est bien ça, le don de la nature. Je crois que j'avais déjà une carte nature. Ouais, allez, je prends ça pour 4 en espérant que ça tombe. Ça tombe bien.
Et puis maintenant, eh bien, ça me permet de l'attaquer pour faire tomber à 56. Je n'ai pas d'arc avec moi. Lui, je le redresse et puis reconstitution de la main. Le pistage, ouais, 1, 2, 3, 4, 5. Je l'ai déjà dit, hein, le pistage. En plus, ça permet de regarder les trois premières cartes du deck et on remet dans l'ordre qu'on veut. C'est à voir quand même. Bon, allez, Zélote. Oh, deuxième maîtrise, rouge. Vous avez moins une pièce d'or ce tour-ci. Ok. Et ce sera le seul effet. Donc je me défausse d'une pièce d'or. L'élixir de chance. Tiens, le porteur de bouclier qui revient. 2 et 1, 3. Plus possibilité de faire 3 d'attaque. Alors là, il faut que j'en profite au max. C'est-à-dire. Ah tiens, lui, c'est un garde. Je ne peux plus subir de dégâts. Pour l'instant. Et puis, qu'est-ce que je voulais voir? Oui, je voulais voir que j'ai 3 d'argent. Je renouvelle. Tiens, encore du sauvage, le grognard orc. Pof, j'investis pour 3. Je détruis ma gemme de feu, ce qui me donne 3 d'attaque. Ça, c'est consommé. Là, j'ai investi dans quoi? C'était un champion, donc l'élixir ne me sert pas. Et maintenant, je fais mon attaque sur le zélote. Il tombe à 43. Bien. La main, 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien l'archère. Rouge, j'ai encore moins une pièce d'or ce tour-ci. Il active son disciple, ce qui fait qu'il m'élimine pour 1. Il m'élimine mon serpent de compagnie, il l'assomme et il lui reste 2 à me faire. Je tombe à 61. Ça va. On encaisse. Ensuite, j'ai moins une pièce d'or. Paf, ça vire. Il me reste 1, 2, il me reste 2. Seulement 2, je renouvelle. Oh, 2. Allez, je prends l'influence. Crac. Ça, c'est acheté. Je n'ai pas acheté de champion, donc je n'ai pas le droit à ma réduction. Par contre, je fais 2 et 2, 4. 4 dégâts, lui se prend 3, lui se prend 1. 42. Je n'ai pas mon bonus parce que je n'ai pas d'autres cartes sauvages en jeu. Je n'en ai pas joué, donc c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5. C'est plutôt bien parce qu'on le grignote quand même là au fur et à mesure. C'est pas mal. Allez, guerrier. Vert. Aïe, 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 ça, ce sont les plus méchantes, je trouve. Retourner une nouvelle carte. Je le fais tout de suite. Rouge, vous avez moins une pièce d'or ce tour. Mais ça n'empêche que. Il rentre dans ma zone. Ouais, alors je commence par le diablotin. Lorsque vous jouez. Non, pardon, défaussez-vous d'un objet. Je me défausse d'un objet. Ah ouais, quand même. Bon, ce sera un objet pièce d'or. Ensuite, il le soigne de 4, le vampire. Donc là, il remonte à 6, 46. Et puis il me cumule 4 de dégâts. Mon porteur de bouclier vire pour 3. Et donc je prends un dégât. 6, 56. Ensuite, l'autre effet, c'est que j'ai moins une pièce d'or ce tour-ci. Donc je n'en ai qu'une à dispo. Est-ce que dans le marché, il y aurait une carte à une? Non. Donc elle va virer.
Et puis maintenant, bah, je fais 3, 4, 5 dégâts. 5 dégâts, je vire le vampire de Ruinos. Il va arrêter ses soins. Mais je me tape encore le diablotin. Et je n'ai pas joué de carte Nécros. Ah ouais, c'est vrai, il faut investir dans les cartes rouges. Le problème, là, j'en ai qu'une. Drain de vie qui coûte 6. Ça, c'est un problème. Renouvellement de la main. 1, 2, 3, 4. C'est un problème, oui, mais... Ah, et puis, les autres coûtent cher aussi, hein. 6, 6, 5, 3. Waouh! Combien il m'en manque? 1, 2, 3, 4, 5. Nous passons à l'archer. Aïe! Aïe, aïe, aïe. Alors déjà, point bleu, pas de panique. Assommer le champion ayant... Ben, j'ai pas le choix. Il n'y a que la chamane des loups en jeu. Et ensuite, ça lui permet de passer son niveau. Alors attention, contrairement à la confrontation numéro 1, où quand le maître passait de niveau, on piochait deux cartes, là le zélote continue de ne piocher qu'une carte. Ce qui est un petit peu normal, parce que avec la carte échappée, après la mélange, la carte échappée reviendrait beaucoup trop vite si on piochait deux cartes à chaque fois. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de faire son action. C'est à Mademoiselle l'Archère qui a un peu de la bouse dans son deck. Elle a 3. Faut que je fasse tourner ça. Malédiction elfique qui coûte 3. Là, je pense que l'Archère commence à cumuler pas mal de cartes nature qui tapent bien. Maintenant, 2. D'attaque, j'ai personne dans ma zone, je vais le faire tomber à 44. C'est petit, hein. Faudrait rapidement qu'il passe sous la barre des 30 là. Bon, et puis renouvellement, 1, 2. Ouais, sous la barre des 30. De toute façon, c'est même sous la barre du 0 qu'il faut l'amener. Je repasse à 5 cartes. Et puis le guerrier qui a déjà le diablotin. Maintenant il va se taper un vampire de Ruinos encore. Les fanatiques gagnent plus 5 ce tour-ci. Ah! Alors que je me. Combien? J'ai dit quoi? Plus 5? Ça c'est pas cool. Alors attention, c'est bien les fanatiques, hein. Donc il n'y a que lui parce que le diablotin mordeur n'est pas fanatique. Donc si je fais ça. Comme ça, que je mets le plus 5 ici, autant vous dire que ce tour-ci, c'est même pas la peine d'espérer lui faire quoi que ce soit. Après, lui, il repasse à 48 grâce aux soins du vampire. Bien. Et en plus, il cumule 4 d'attaque, donc je me les prends. Je tombe à 52. Mais par contre, que pourrais-je faire? Ah, là, il y a du tabassage. Ah, oui, alors 2 et 1, 3. Et si j'achète une action? Non, j'ai pas assez. Donc j'ai 3 à dispo. Je vais peut-être faire 2. Est-ce que ça servira à quelque chose, ça? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non, ça sert à rien pour l'instant que je dépense là-dedans. Dedans. Et faut que je fasse combien on a dit? 5, 6, 7, 8, 9. Ah bah si. Ah non, je les ai. 6 et 3, 9. Ok. Oh, ça va m'émettre plus pour chaque serviteur dans votre zone. Donc ça fait plus 3. Et lui aussi, c'est un serviteur, ça fait plus 6. Ah ouais, ça c'est balèze. Agadé. Plus 3 pour chaque serviteur dans votre zone. Et après, c'est uniquement joueur contre joueur, entre parenthèses. Donc, ça me fait 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 15. Je peux monter à 17. Je peux monter à 17. Donc, dans ce cas-là, je claque ma thune en utilisant ça.
Bon, alors, faut que je refasse le calcul. 3 et 3, 6. 6 et 6, 12. 13, 14, 15. 16, 17. Et en plus, l'adversaire ciblé se défausse d'une carte. Ouais, je lui défausse ça. Et maintenant, j'applique 17. 9. 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, il retombe à 44. Bon, ça a fait un gros nettoyage. C'est quand même assez sympa. Si ça pouvait retomber un combo comme ça rapidement, ce serait cool. Ça, je peux l'enlever. Et on passe à l'archère. Qui nous fait... Ah, une embuscade. Encore serviteur, fanatique humain, jaune. Les fanatiques gagnent plus 5. Ok. Oh là là, 11% défaire. Rien que ça. Il génère 3 d'attaque. Hop, hop, hop. C'est un élite. Il va dans la zone du maître. Ça veut dire que l'archère a plus personne dans sa zone et pourrait s'occuper de la zone du guerrier, mais ça va pas être forcément intéressant. Bon, bah en tout cas, elle se fait attaquer à 3. Elle était à 61, elle tombe à 48. Ouiou! Et elle joue normalement. Alors, est-ce qu'on va comboter? Non, on va comboter que dalle. 4, 5, 6, 7, 8. Ah. Alors déjà, elle va investir dans la 6, là, le drain de vie pour les éventuels... Hop, hop, ça va pas là, ça. Ça va là. Et la dépense est 6. L'adversaire ciblé se défausse d'une carte, je peux pas l'utiliser. Je pourrais faire beaucoup de dégâts. 4, 5, 6. Non, c'est même pas la peine. Bon. Tout ça, c'est l'argent dépensé. Il lui reste 2. Oh là là, 8. Ben pour 2, elle va... Oh, du soin. Allez, elle prend du soin. Il lui reste 2 avec son arc. Elle ne peut faire aucun dégât. Tant pis. Après. Après, on revient à lui, là. Vert. Retourner une nouvelle carte. Pas cool. Ah, c'est encore un élite. Ça n'a plus lieu d'être. Mais je retourne encore une carte. Maîtrise blanc. Maîtrise blanc égale assommer les deux champions ayant les valeurs les plus hautes. Nine. C'est refusé. Et guerrier, est-ce qu'il peut éliminer beaucoup de monde? Tiens, porteur de bouclier. Il a deux pièces à dispo. Deux pièces à dispo. Deux. Ah, c'est un champion garde. Viens ici, tu me protèges. Deux, quatre, six avec mes deux pièces, ce qui me permet de virer celui-ci. Je n'ai pas le bonus parce que j'ai pas d'autres cartes jouées nature, enfin sauvage. Fin de son tour, ouais. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est un petit ouais, hein, vous voyez. Bon, j'ai du champion en jeu, mais alors, si ça se trouve, je vais me faire dégager rapido. On va voir combien j'ai dit. 1, 2, 3, 4 et 1. 5, mademoiselle. Bleu, bah, voilà. Assommer les deux champions avec les valeurs les plus hautes, il n'y a pas le choix. Ensuite, par contre, premier effet, défaussez-vous d'une carte avec un coup de 1 ou plus. J'ai pas le choix. Ah merde, c'est elle. Ça c'est fait. Maintenant, lui me génère 3 d'attaque. Je tombe à 55. Bon, maintenant je joue. J'ai deux pièces. Deux petites pièces. Oh, cultiste de la mort, je prends. Ok.
qui coûte 2. Si vous avez un arc pioché, non. Je ne peux même pas blesser le diablotin. Donc, c'est pas cool. Renouvellement. 1, 2, 3, 4, 5 piles poil. Jaune encore, les fanatiques. Alors, fanatiques, j'en ai un ici. Et les deux autres, non. Donc, les fanatiques gagnent le fameux plus 5. Ok, bah de toute façon, je vais même pas aller voir ce qui se passe par là. Alors, attention. Défaussez-vous d'un objet. Allez, une pièce d'or en moins. Ça va être le plus intelligent. Après, il me génère 3 d'attaque. Je ne suis plus protégé. Je tombe à 49. Ça fait bobo. Maintenant, j'ai 2 pièces d'or seulement. 2 pièces d'or. Alors, dépenser ça dans une attaque, ça sert à rien. Quoique. 3, 4, 5, 6, 7. 4 et 3, 7. Ah bah si, bien sûr que ça va servir. Donc mes 2 pièces d'or sont dépensées là. Si jouer cette carte vous permet d'atteindre 7 en combat, piocher une carte, une pièce d'or, à moins que... Non. J'allais dire à moins que je renouvelle le marché pour une carte à une pièce d'or, non. Donc je suis à 7. 4, je l'élimine. Je n'ai plus de menace dans ma zone. Je peux m'occuper de la zone adjacente. 4 et 3, 7. Lui perd son bouclier. Et ça, ça dégage. Ouais. Bon, ça avance pas, mais c'est de la temporisation. Bleu, assommer les deux champions, non. Encore un vampire, il se soigne. 48. J'ai dit 48. Il me génère 4 et 3, 7. Là, ça fait mal. Donc 55, 45, 46, 47, 48. Ouais, ça fait bobo. Ben, comme le zélote, 48, 48. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ben, vas-y. Ah, malédiction elfique. Ah, un champion. Oh là, il y a du combo. Est-ce que je peux acheter une carte pour 2? Non. Mais je peux payer 2 pour regarder les 3 premières cartes du deck. Alors là, j'en ai besoin, donc je vais mélanger tout de suite. Mon tour n'est pas fini. J'espère que ça va bien comboter. Là, on va bien lire ça. Il y a peut-être un truc sympa à faire. Alors, je paye, je regarde les 3 premières. Waouh! De votre deck, vous pouvez mettre jusqu'à 2 d'entre elles dans votre défausse. Et je replace les 2 autres au-dessus. Dans n'importe quel ordre, d'accord? Maintenant, j'attaque. Alors là, je peux assommer un serviteur ciblé dans ma zone. Toi, tu vires. Maintenant, je fais mise en place de ce garde. Alors ça, c'est une action malédiction, ça me fait 6. J'ai une autre carte, je rajoute 3. Clouc, ça fait 9. 10, 11, plus 1 pour chaque autre carte sauvage que vous avez en jeu. Donc 9, 10, 11, 12. Je passe à 12 dégâts, 6 sur son élite et 6 sur le zélote qui tombe à 42. Ouais, mais le problème, c'est qu'avec les soins qui n'arrêtent pas de tomber, eh ben c'est pas simple. Hein. Je vous le dis, moi, que c'est pas simple. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Potentiellement, son prochain tour, elle va refaire pas mal de dégâts. Guerrier. Ah, ça y est, il a fini son deck. C'est une maîtrise. Donc, point vert, c'est retourner une nouvelle carte. Ah, alors là, c'est vache. C'est franchement vache de perdre parce que la carte échappée va tomber.
Ça, je trouve ça un petit peu dégueulasse. Bon, de toute façon, 42 points de vie à lui descendre, c'est même pas en rêve. Alors, ce que je vais faire, est-ce que je fais un truc? Ouais. On va se laisser une chance. Il y a combien de cartes là? 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 17. 8 et 8, 16. 2, 4, 6, 8. Je constitue deux tas. Les 8 premières cartes seront mes cartes classiques. Et je sais que dans les 8 dernières du deck, il y a la carte échappée. Peut-être que... Alors je fais ça pour me laisser une chance, pour pas que ça dure 15 plombs, parce que je ne suis pas du tout du genre à recommencer 15 000 fois un scénar. Ça a le don de m'agacer un peu quand même. Donc, on se la fait comme ça. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il devait repiocher une nouvelle carte. Rouge. Vous avez moins 2 pièces d'or ce tour-ci. Et c'est qui? C'est Joe là. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, il a moins 2 pièces d'or tout de suite. Ben voilà. Ça, c'est fait. Il lui reste 2. Est-ce qu'il peut investir? Ici, non. Par contre, il investit 2 ici. Ça lui sert toujours pas. 2. Ça lui fait 8. L'adversaire ciblé se défausse d'une carte. Ce serait... Alors non, je vais la laisser celle-ci. Je la laisse parce que il me semble que elle a Durvinos. Oui, c'est bien. C'est malin, dirais-je. Alors qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Que ça fait 6, 7, 8. Eh ben, 8 de dégâts. Cool. C'est cool, ça va le faire tomber à 30... 34. Voilà, on passe sur la carte rouge. Ça, c'est bien. Lui renouvelle sa main. Bien. Plutôt bien, pas mal. Combien il lui faut de cartes? On a dit 4. 1, 2, 3, 4. Allez, on va essayer de se le faire. J'ai dit que... Ah oui, alors c'était jaune, c'est-à-dire que les fanatiques gagnent plus 5 ce tour-ci. Il n'a aucun fanatique en jeu, le diablotin est un serviteur non fanatique, donc on n'applique pas le point jaune. Par contre, défaussez-vous d'un objet. Alors là, je m'en bats les brosses. C'est une pièce d'or qui vire. Il me reste... ça me plaît, ça. Il me reste combien? 2 et 1, 3. J'ai rien qui coûte 3 ici. Donc ce sera une gemme de feu. Maintenant, oh là, il y a du combo à comboter. Pardon, jeune guerrier. Déjà, je joue une carte Nécros. Toi, tu vires. Assommer le serviteur ciblé dans votre zone ou piocher une carte. Je pioche une carte. C'est un don de la nature qui me donne 4. Oh la vache. L'adversaire ciblé se défausse d'une carte parce que j'ai le chaman des loups de la faction sauvage. Est-ce que je la défausse ou pas? Vous avez moins 2 pièces d'or ce tour. Non, je la défausse pas. Et j'ai dit que ça me générait 4. Brrr! Qu'est-ce que je fais de 4 pièces d'or? Je peux toujours pas investir là-bas. Je reprends 2 gemmes de feu. Je ne vais pas laisser passer. Je peux détruire la carte pour faire 4. 4, 4, 4. Ça ah ben c'est un garde lui. Toi tu viens là, je suis protégé. Vous pouvez sacrifier une carte de votre main ou de votre défausse. Waouh. Je vais virer. Ne pas taper dans le pied. Donc je disais, je vais virer. Je détruis une pièce d'or. Poum, je remets ça bien parce que forcément ça s'est cassé la gueule. Donc ça, je sacrifie une carte de votre main.
Vu que j'ai... Alors, est-ce que j'en ai fini avec elle? Oui, je joue mes 4. Donc elle, je la détruis. Allez, paf, maintenant. Maintenant, grâce à cette carte-là, j'ai une autre carte nécro sans jeu, je pioche une carte. Je l'ai fait ou pas? Ah, quel con, j'ai perdu. Oui, je l'avais fait avec ça. J'avais dû le faire avec ça. Bon, on a vite fait de perdre le fil. Allez, on enchaîne. La chamane des loups me dit quoi? Ah non, j'ai pioché la carte avec le serpent là. Donc vu que j'ai le cultiste des morts en nécrose, je repioche une carte. Ça me génère 2, je me soigne de 3, plus un soin pour chaque champion que vous avez en jeu. 1, 2, 3. Donc ça fait 3, 4, 5, 6. Je peux soigner de 6. Elle est à 48. Lui, il est à 49. Allez, elle va se soigner. 52. Elle remonte à 52 et ça me génère encore 2 pièces. Pas une de plus, j'ai pas de carte de la faction impériale. Donc ça me régénère 2 pièces. Je fais péter la gemme de feu. Ça, c'était l'application de piocher une carte Nécros. Et puis pour chaque autre carte nature que vous avez en jeu, ça va faire plus un dégât. Est-ce que j'ai joué de la nature? Oui. Non. Non. Allez, on passe aux dégâts. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Afichamo. 16 dégâts. Ben là, on va faire un calcul de la mort, hein. 34 moins 16. Et c'est un gros bim parce que il tombe à 18. Ouais. Je redresse. 18, 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien. C'est bien. C'est un super tour. Et on avait dit que c'était un diablotin rouge qui allait rentrer du côté du guerrier. Il a moins 2 pièces d'or ce tour-ci. Alors, moins 2 pièces d'or. Je les garde en main parce que d'abord, défaussez-vous d'une... Ah merde, qui coûte 1 ou plus. J'ai pas le choix, c'est elle qui vire. Ensuite, je défausse de 2 pièces d'or. Il me reste une pièce d'or, je n'en fais strictement rien. 3. Plus 3 pour chaque serviteur dans votre zone. Le diablotin, on a dit que c'était bien serviteur. Je fais 6 de dégâts. C'est tout! 3 sur le diablotin, j'ai pas joué de carte Nécros. Et puis 3 sur lui. Il tombe à 15. Ah ouais. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Guerrière. Rouge encore. Alors attention. Elle a moins 2 pièces d'or. Il génère 3 d'attaque. Le cultiste me protège à 3. Il se prend tout, il est assommé. Je ne suis plus protégé, j'ai plus de garde. Mais ça s'arrête là. À moi. Alors, moi j'ai encore moins 2 pièces d'or. Bah, ça et ça vire. Là, ça m'en génère. Truc de merde. Là, ça m'en génère 3. Je suis bloqué au marché en fait. C'est dingue ça. Hein? Qu'est-ce que je fais? Bah, allez, une gemme de feu. Hein? C'est pas grave. J'achète une gemme de feu. Maintenant, je veux cumuler des dégâts. Je détruis la carte action influence. Ça me fait 3, 4, 5 avec les flèches. J'active mon serpent pour assommer un serviteur dans ma zone. J'active le chaman pour ajouter 2 points d'attaque. Je passe à 7 points d'attaque.
Ouais, 7 parce que je peux pas me faire un plus 1. Donc 7 points d'attaque. Il tombe à 8 points de 8 points de vie. C'est bon ça? J'ai rien oublié normalement, non. On se redresse les gars, soyez fiers de nous représenter. Deux cartes, je reconstitue ma main. C'est pas mal, 8 points de vie. Ah oui, alors attention, 8 points de vie, ça vient là, pas 18 points de vie, ça c'est un coup à moto couillonné. Je suis bien du genre si vous me connaissez. Qu'est-ce que je fais là? Je triture pour lui reconstituer sa main. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on a moyen. On a moyen. Bleu. Assommer les deux champions ayant les valeurs les plus hautes. Bon, merci de votre passage. Ils m'ont bien servi, eux deux, pendant deux tours, je crois. Ça a été cool. Et maintenant, attention les yeux, il me faut 8 dégâts. 9. 9. Bof. Purée. Ah, on va pas le faire. On va pas le faire, mais on va lui faire bobo. On va lui faire bobo mal. 6. Jouer cette carte vous permet d'atteindre 7 en dégâts. Piocher une carte. 3, 4, 5. 6, 7. Parce que je paye avec mon coup d'épaule, donc oui, je peux piocher une carte. Je mets en jeu mon porteur de bouclier. Mon élixir ne m'aura pas du tout servi. Maintenant, mes dés. Alors, lui, c'est un garde, il me protège. 2, 5, 6, 7. C'est bien ça. Il tombe à un point de vie. Au secours! Mais quel stress! Mais au secours! Et on renouvelle les stocks. 1, 2, 3. Bon, dans l'idée, c'est gagné. Mais what? Allez, 3, 4, 5. Et on revient bleu. Assommer les deux champions. Non, ce sera qu'un seul. Aïe, 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 il le ressoigne, son ami vampire. Il remonte à 5. Il me génère 4 d'attaque. Je tombe à 48. C'est pas bien méchant. Et puis, bah, il faut que ça passe. Hein. Oh, la daube! La daube en branche, sans déconner. 1, 2, 3. 4, 5. Si j'achète un champion, il coûte un de moins. Si j'achète un champion, il coûte un de moins. Action. Bah celui-là, là. Mettez un champion au-dessus de votre deck depuis votre défausse. Ouais. Ouais. C'est pas mal. Forme de. Ouais, pop, pop. Je prends ça. Donc là, j'ai claqué toute la thune. J'ai investi là-dedans. Par contre, alors ça c'est bon. La gemme de feu, je vais la claquer. 3, 4, 5 de dégâts, je la détruis. Ça fait 5 de dégâts. 4 pour le vampire et lui tombe à 4. Bon, va pas falloir que ça dure trop longtemps là. Je vais m'essouffler à force. Hop, hop, hop. À t'avoir. 4, 5. Allez, guerrier, c'est ton dernier tour. Jaune, les fanatiques gagnent. Et merde. Plus 5. Alors, pile quand faut pas. Pile quand faut pas. Il se reçoit, lui, monte à 8. Je rêve. Lui me génère 4. Bon, ça, c'est pas grave. Hein. On arrive à tenir en termes de points de vie. Je tombe à 45. Mais par contre, on a du mal. Là, on tabasse. Là, on tape. Encore l'élixir de chance, mais c'est pas vrai. Tiens, que je renouvelle le marché. Vite le dragon. J'ai pas trop de pot au niveau du marché. J'arrive pas à le faire tourner, ce couillon-là.
Ça me génère 3. J'ai pas de carte action qui me permettrait d'acheter facilement. Je vais lui mettre un coup d'épaule dans la tronche. Donc je dépense 2 sur mes 3 pièces. 2, 5, 6, 7. Je mets ce garde-là en jeu. Mais il me faut 9. Donc rectification, ça sert strictement à rien que je dépense mes 2 pièces, autant que j'achète une gêne de fieu. Parce que je ne peux pas le blesser. Ouh là 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 là, mais quel suspense! 1, 2, 3, 4, 5. Bon bah, son tour est fini, il perd ça. Diablotin agrippeur, serviteur diablotin, ok, c'est du vert. Retourner une nouvelle carte, mais au secours, c'est du rouge. J'ai 2 pièces d'or en moins. Maintenant, on applique les effets, c'est-à-dire, défaussez-vous d'une carte avec un coup de 2 ou plus. Avec un coup de 2 ou plus. Alors ça, hors de question. Ça, hors de question. Ça, hors de question. Donc c'est elle qui part. Oh purée. Bon, ça c'est fait. Ensuite, c'était lui. Lui le soigne. Aïe, 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 il repasse à 12. Oh, je vais paumer. Je vais paumer, les amis. Défausser, bon, ça je viens de faire. Lui il m'attaque à 4, je tombe à 44. Les soins sont faits. À moi. J'ai 2 pièces d'or en moins. J'en ai 3 à dispo. J'en ai plus qu'une à dispo. Autant vous dire que ça ne me sert à rien. Je joue un garde Nécros, ce qui me permet d'assommer ce serviteur. Je joue la malédiction elfique aussi et je détruis la carte pour me générer 3 de combat. 6, 7, 8, 9, 10, 11. En plus, le cultiste de la mort me protège et je suis à 11. J'avais pas dit qu'il montait à 12, lui. Crac. Bon, bah 11, bah on y va, hein, on les claque. On les claque, des claques. Ça, c'est une action savire. Donc, j'ai 11 points. 4 ici. Donc, 11, 10, 9, 8, 7. Il reste 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il tombe à 5. Mouais. Je suis semi-satisfait. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Parce que je vois bien que le temps passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Il entame son deuxième morceau du deck. Maîtrise pouvoir préféré. Assommer les deux champions ayant la valeur de blabli blabli blablacar. Les gars, au revoir. Il se soigne de 4, il passe à 9. Lui m'inflige 4 dégâts, je tombe à 41, ça n'est pas grave. Fais péter du lourd, mon ami guerrier. J'ai 1, 2, oh, 6, 7, 8. Oh, c'est bon. C'est pas sûr. Incroyable. Mais quelle partie de fou! Bon, j'ai 2 là. J'active mes 2 points de dégâts en plus. 2 et 2, 4. Si cette carte vous permet d'atteindre 7 ou plus, je pioche. Oui, je pioche, ça ne sert à rien. Je n'ai pas de garde à placer, c'est que de l'attaque pure là. Donc, 2, 4, 4, 5, 6, 7. Pour chaque serviteur dans votre zone, c'en est 1, 7, 8, 9, 10, 10, 16. Je n'ai pas joué de carte sauvage, donc je ne prends pas plus 3. Je suis à 16 points de dégâts. 4 ici, il en reste 12. Ah! Alléluia! Allez, je lui fais péter ces 9 derniers et j'élimine
Le zélote de Ruinos. Waouh! Alors, pour tout vous dire, pourquoi est-ce que j'ai fait ma petite manip avec la carte échappée? Parce que j'ai testé contre le zélote deux fois déjà hier. Et à chaque fois, j'ai perdu parce que je retombais forcément une deuxième fois sur la carte échappée. Et alors, le principe est sympa, mais je me vois pas. Là, finalement, c'est ma troisième tentative. Mais je ne me vois absolument pas essayer 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois pour finir par le passer. 3, ça me paraît quand même assez raisonnable. Alors, la curiosité fait que si je ne l'avais pas tué, ça aurait été au tour de l'archère, puis guerrier, archère, guerrier, ouais. Bon, pour le coup, elle était là. Ah d'accord, c'était l'avant-dernière. Alors ma mélange m'aura sauvé finalement, parce que je pense qu'à force, même en passant toutes ces cartes-là, les 7 là, j'aurais fini par le tuer. Mais ça aurait pu être super, super, super chaud. Et bah très sympa, ce petit scénario. Vraiment super cool. Alors qu'est-ce qui se passe ? Reprenons notre livret d'aventure. Le maître s'est échappé, non. Non, non, non. Santé à zéro, je remporte l'affrontement. On voit ce qui se passe. Ah, il y a du sacrifice dans l'air et on va traîner dans une série de cavernes. Bah, c'est sympa, ça. Alors déjà, les récompenses. Chaque joueur découvre une récompense de classe. Donc les récompenses de classe, ce sont... Alors, archer... Alors ça, c'est objet de classe. Et on pioche une de son deck personnel. Oui, c'est ça. Donc on a archer et guerrier. 3 et 3. Je remets ça là pas loin. Donc je mélange celle-ci. Tiens, elle en a 4, elle. Normal ça. Archer. Ah ouais, guerrier. Archer. Archer. Donc je mélange celle-ci. Chacun mélange les cartes récompenses et en pioche une qu'il ajoute à son deck. Arbalète légère. Ça remplace une carte or. Ok, donc je me défausse d'une carte or et je prends l'arbalète légère. Ça va dans les cartes archer. Et pourquoi le guerrier en aurait 4? Guerrier, sorcier. Voilà pourquoi. Je l'arrangerai tout à l'heure. Donc, rebelote. Oh, faucille, ça remplace aussi une carte or. Une carte or du guerrier qui vire, bien. Alors ça aussi, ce sont ces deux autres cartes récompenses. Donc ça génère un d'or et inflige 3 dégâts à un serviteur ciblé dans votre zone. C'est pas mal. Crac. Ensuite, chaque joueur gagne un point de héros qu'il peut dépenser pour améliorer l'une de ses compétences ou capacités, ou pour acheter une carte santé supplémentaire. Ah ouais. Alors, compétences kappa. C'est pas ici. Tiens, j'ai jamais fait gaffe qu'il y avait une fiche de personnage. Bon, donc ça, je verrai ce que j'en fais. Il faudra que j'étudie la chose. Toujours est-il qu'on passe au chapitre 7, affrontement, le rituel.
Alors là, j'ai pas le choix, ça veut dire que c'est l'affrontement 3. Donc on ne passe pas au chapitre 7. Mais il va falloir que je choisisse ou une compétence ou une capacité. Arbre de capacité. Capacité de niveau 1. Ah ouais, ça coûte 1. Ça coûte 2, etc. Et les compétences, ça coûte 1. Ah la vache. Bon. Je vais voir ça. Va falloir que je relise la règle d'amélioration de héros qui est là. Je ne vous monopolise pas plus longtemps parce que là, ça va être de la compréhension et puis un choix à faire dans mon coin. Donc, on va se retrouver très vite, très bientôt pour le prochain affrontement qui s'appelle, on a dit, qui s'appelle le rituel. Merci d'avoir suivi. Ça s'est plutôt super bien boutiqué, sauf pour le marché qui ne m'a pas été du tout favorable. Il a fallu que je me démerde avec les toutes premières cartes achetées, mais enfin ça a été bien. Bon bah merci de vos retours et suivis, et puis bah, à très vite. Allez, salut, salut!